On est le 14 juillet. Fait que, comme j'avais dit hier, là, je faisais pas d'autres vidéos. Anyway, j'avais ma journée dans le corps. C'était une énorme journée, les gars. Ils étaient au quartz. Puis, ils en revenaient juste pas, là, que j'avais fait cette journée-là. Fait qu'aujourd'hui, des grosses montées, des grosses descentes, mais j'ai 11 kilos à faire, pas 26. Fait que, tu sais, c'est mieux comme ça. Il annonce de la pluie. J'ai super bien dormi. J'étais morte comme... morte. J'ai un petit problème au niveau de mes plaies, au niveau des languettes. Je sais pas si j'en ai parlé, j'ai oublié. Mes souliers Ultra Tim 4, ils ont changé la languette. Un fucking échec, cette languette. Donc, ça fait 2 jours que je marche. Puis là, ça me fait deux... Sur chaque jambe, ça me fait une plaie. Puis là, il y en a une jambe qui s'est vraiment enflée puis infectée. Fait que là, ça tombait bien. François était ambulancier. Fait que, tu sais, il m'a dit un peu quoi faire. On l'a tapé. Je vais gérer ça rendu au refuge du ruisseau Creux plus tard. Puis aussitôt que j'arrive dans un village puis qu'il y a une pharmacie, c'est sûr que je vais aller me gérer. Puis là, ben on a tapé. J'ai aussi coupé le bout de la languette. J'ai mis du duct tape, on va voir. Mais là, aujourd'hui, j'ai une traversée d'eau au moins. Les deux pieds dans l'eau, là. Fait que ça va peut-être décoller. Mais bon, on va essayer de me gérer. Fait que là, je suis dans une grosse ascension. Fait que j'en profitais. Petit break avec ma moustache, toujours présente. Je suis arrivée à la rivière que je peux pas prononcer le nom. Et là, je dois traverser. Fait qu'il y a des cordes. Puis des cordes jaunes. Il y a peut-être des mousquetons, je vois pas très bien. Donc, ça a l'air correct. Il y a beaucoup de roches, là. Je vois Chloé Claire. Fait que je vais y aller avec mes souliers. Je vais pas les enlever pour pas me blesser. Donc, on se revoit de l'autre côté. Yay! J'ai réussi à traverser. Ça va super bien avec les cordes. Voyons, je suis pas stable. Bon, ça va super bien avec les cordes. Dans le fond, les cordes, ils bougent. En tout cas, les cordes, ils bougent. Puis là, tu te tiens. L'idée dans un river crossing comme ça, lui, est quand même gros. Puis ça paraît pas, mais il y a quand même beaucoup de courant. C'était pas haut, là. Je n'avais peut-être juste en bas du genou. Faut que tu traverses de côté. Ça va beaucoup mieux. T'es plus stable d'eau au courant. Fait que... C'est ça que j'ai fait avec les cordes. Puis là, ben, quand j'arrivais à une autre corde, je re-swingais la corde pour le prochain, là, pour pas qu'il se ramasse tout ici. Fait que c'est ça. Ça va super bien. C'est une bonne stratégie, ça pourrait aider. Fait que là, j'ai pris une petite pause. Grignote, grignote. Le soleil est là. Moi, tantôt, qui m'était habillée en pluie. Fait que tantôt, j'étais au sommet de ça. Puis là, ben, je m'en vais en haut de quelque chose d'autre, là, ça a l'air. Mais il n'y a aucune vue, jamais, pour l'instant. Fait que c'est ça. On monte pour rien, on descend pour rien. Joke. Fait que... OK. Fait que je m'en vais pour une bonne ascension. Balise 595. Je vais traverser. Je pense que c'est le ruisseau Creux. La technique ici ressemble à l'autre. Mais c'est pas clair. Et ça me semble très creux, là. Mais après, ça va. À suivre. J'ai réussi! Wouh! C'est rafraîchissant quand même. Il fait très, très chaud ici en Gaspésie. On ne sait pas pourquoi, mais il fait très, très chaud. Ah. Je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est à pic. Je ne sais pas. Peut-être par là. Bon, on ne voit pas grand-chose. C'est enfugé. Mais, tu sais, c'est comme... fucking à pic. Je pense que c'est plus dangereux se rendre
à la rivière et d'en sortir de la rivière que de traverser la rivière. Ça n'a pas de sens. Tout le temps à pic. Il n'y a pas d'autre option. Oups, pardon pour le doigt. OK, je continue. Petite surprise dans ce dernier kilomètre. Le ruisseau de la Coque. J'ai une autre traverse. Un coudon. Ça va me rafraîchir. C'était pas gros, mais ce système-là, c'est le moins bon de la gang. Me voilà toute seule. Mais les garçons, ils sont partis, eux. Ils retournaient à la maison. Ils viennent de Kozapskal. Fait qu'eux, ils marchaient jusqu'à Sainte-Marguerite, qui est le prochain arrêt. Olivier, François, très gentils. J'ai pas de photos ni de vidéos. Hier soir fut une grosse soirée, là. J'étais arrivée à 8h, moins quelques, j'avais pas soupé, j'étais pas lave, tu sais, comme... Je voulais juste gérer mes petits besoins. Aujourd'hui, énorme journée, quand même, malgré le 11 kilos. J'aurais pas pu en faire plus. Grosse journée, les traverses, c'était le fun, mais le reste, c'est vraiment comme... C'est de l'ouvrage. Pour peu. Écoutez, j'ai vu une vue, à, comme en montant. Puis c'est ça, j'ai ma... C'est ça. Fait que... Mais le refuge est très beau à côté du ruisseau Sainte-Marguerite. Mais dans le fond, le ruisseau que j'ai traversé tantôt, le dernier, il y a 8 bunk beds. Fait que ça loge beaucoup de personnes. Puis il y a 2 plateformes pour les tentes. Fait que... Puis je suis tout ça. Ce soir au menu, good to go, avec un risotto aux champignons et aux fines herbes. Ça ici, c'est ma petite eau avec un petit électrolyte immunity de Noom. Fait qu'il n'y a pas de caféine, naturellement. Puis ça l'aide à récupérer. Ça a l'air bon! Il manquerait un petit peu d'attente ici, mais là, l'impatience va gagner sur... C'est un petit peu soupy. Fait que peut-être mettre pas le 500 ml comme d'habitude, dans le fond. J'aurais juste dû m'écouter.